Bonjour, la dernière fois en classe, nous avons vu ce film. Oui, sur les vers de terre. Et nous avons d'ailleurs vu que les vers de terre pouvaient modifier la qualité du sol, enrichir ce sol avec des éléments minéraux dont les végétaux peuvent se nourrir. Et donc, s'ils peuvent modifier le sol, ils peuvent donc modifier la répartition des végétaux. En effet, suivant ce que recherchent les végétaux, un sol riche ou un sol pauvre, la présence de vers de terre va modifier le type de végétation. Donc cela signifie, si on va jusqu'au bout de la chose, que la répartition des êtres vivants va dépendre aussi d'autres êtres vivants. C'est d'ailleurs ce que vous devez noter à la suite de votre cours. Alors vous prenez une feuille et vous notez ce qui suit. En vert, 2, 3, suivant les autres êtres vivants, sautez une ligne en bleu, les êtres vivants présents dans un environnement vont en influencer l'ensemble de la biosphère. Par exemple, la présence d'un arbre va modifier la température et la luminosité à son pied. Ces modifications vont entraîner une répartition différente des êtres vivants. Point, sauter une ligne, définition à la ligne, biosphère, deux points, ensemble des êtres vivants d'un environnement. Point. Donc si je résume, pour bien éclaircir la chose, la répartition des êtres vivants, 1. Ne se fait pas au hasard. 2. Dépend des conditions du milieu, température, luminosité, hygrométrie. Et 3. Peut-être influencé par différentes choses qui vont modifier les conditions du milieu. Par exemple, les activités humaines comme la construction d'un collège vont modifier les conditions du milieu et donc la répartition des êtres vivants. Certains êtres vivants, comme les arbres par exemple, vont modifier les conditions du milieu et donc la répartition des êtres vivants. Alors pour être sûr que vous avez bien compris cette répartition et ce qui va l'influencer, vous avez des questions ici. Oui, alors, ces questions-là, vous les retrouvez en commentaire dans la vidéo. Ces questions-là, vous allez essayer d'y répondre à partir de la vidéo qui suit. Et après, on verra un peu comment cela va vous permettre d'améliorer la compréhension de votre cours. Allez, bonne vidéo. Vous l'avez sans doute constaté, les températures sont plus clémentes, mais pas partout. Météo France maintient 7 départements en vigilance orange canicule, essentiellement dans la région Rhône-Alpes. Image ici de Lyon, où il y a fait jusqu'à 36 degrés. Des distributions gratuites de bouteilles d'eau ont été organisées à la sortie du métro. L'alerte orange devrait prendre fin demain. Et la lutte contre la chaleur, c'est le nouveau défi pour les villes, un défi qui n'aura pas de cesse de croître durant les années à venir. Qui le sait, des quartiers, des rues d'une même ville affichent parfois plusieurs degrés d'écart. Murs végétalisés, création de plans d'eau, de fontaines, des solutions existent. L'enjeu est de taille. Voyez ce reportage à Lyon et à Clichy-sous-Bois de Benoît Gadret, d'Olivier Jacquelin et de Philippe Maire. La ville de Lyon suffoque. Une chaleur accablante. Un épisode caniculaire comme la métropole en connaît de plus en plus. Alors pour atténuer cette chaleur, les ingénieurs en urbanisme ont identifié les zones les plus chaudes. Exemple, le quartier de la Part-Dieu. Sur cette photo satellite apparaissent en rouge les îlots de chaleur. Ils correspondent à des rues bordées d'immeubles appelées canyons urbains, de véritables pièges à fournaises. On voit des murs en béton qui vont capter la lumière du soleil toute la journée et qui vont ensuite la restituer. Le sol est en bitume, sombre, il absorbe le rayonnement. Et puis on a aussi de l'activité humaine, on voit un flux de voitures, on a des clims, ça aussi ça génère de la chaleur. Alors pour rafraîchir ces rues, l'idée est de réintroduire du végétal. Les arbres en particulier ont un effet climatiseur. L'arbre, il va évaporer l'eau qui est dans le sol, ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Et cette transformation de l'eau en vapeur d'eau dans l'atmosphère, ça va faire un refroidissement de la température de l'air. Exemple, cette rue à Lyon, conçue dans les années 70, avec des trémies en béton. Une partie a été réaménagée. Moins de place pour les voitures, davantage pour la végétation. Les riverains apprécient. Là, c'est frais, quoi. On peut le sentir... Juste en, sans bouger, mais en bougeant, c'est encore plus fragrant. Cet effet sur la chaleur a été mesuré. Un capteur placé dans la zone végétalisée, un autre plus loin, dans une zone bétonnée. Dans la partie où on n'a pas de végétal, on a plutôt une température plus forte. Donc c'est la courbe rouge. L'écart le plus fort, il est pendant la journée, les périodes chaudes, on a 2 degrés d'écart entre les deux zones. Et cet écart, il se maintient pendant la nuit, plutôt de l'ordre de 1 degré. La végétalisation des quartiers est devenue une priorité, comme ici dans la nouvelle zone de Clichy-Batignolles, au nord-ouest de Paris. Les plantes poussent même sur les parois. Ça, c'est un mur végétal qui est un bon isolant pour les bâtiments.
qui est aussi un élément de biodiversité très intéressante. Là, vous voyez, il y a une toile d'araignée, ça veut dire qu'on a plein de petites faunes qui se développent. Et en même temps, c'est bien plus frais qu'un simple mur en béton. De même, les toits terrasses ont été recouverts d'une bonne épaisseur de terre dans laquelle ont été plantés des arbustes. Quand ils ouvrent leurs fenêtres pour sortir, eh bien ils ont, surtout en période de canicule comme ça, en tout cas moins chaud que les autres, c'est-à-dire là, il y a une fraîcheur qui est liée à la végétalisation de ces toits. L'eau participe également à l'atténuation de la chaleur. Ainsi, au cœur de ce nouvel ensemble, un bassin végétalisé rafraîchit l'air, une brise qui se diffuse dans tout le quartier. Et le réchauffement climatique, il en était question également aujourd'hui. Emmanuel Macron a rencontré Arnold Schwarzenegger, l'ancienne superstar du grand écran, ex-gouverneur de Californie et président d'une ONG de défense de l'environnement, a évoqué avec le président les questions écologiques. Bien, mais vous me dites là, c'est en ville, quel rapport avec la répartition des êtres vivants, et le climat urbain, les îlots de chaleur? Alors, qu'on soit bien clair, si un arbre peut modifier les conditions de vie, température notamment et luminosité, en ville, il peut le faire aussi dans n'importe quel environnement. Donc ça signifie qu'il va avoir une influence sur les conditions de vie et donc sur la répartition d'êtres vivants. Souvenez-vous, quand vous étiez lors de la sortie que nous avons fait au collège, vous avez vu dans le sol de nombreux gendarmes. Non, pas cela, non. Oui, voilà, plutôt cela. Donc ces êtres vivants-là, ces gendarmes, pire encore, ne se trouvaient pas n'importe où, mais seulement au niveau de l'arrêt numéro 2, si je me souviens bien, il y avait des végétaux. Des arbres qui permettaient un couvert végétal et qui permettaient aussi d'avoir des feuilles mortes, etc. Alors que sur les autres arrêts, comme devant le collège ou à l'arrière du collège, les conditions n'étaient pas favorables, donc vous n'avez pas trouvé ces animaux. Donc vous voyez bien que les êtres vivants, les arbres, peuvent influencer la répartition d'autres êtres vivants. Ah, comme exemple, comme dernier exemple, je prendrai la répartition des élèves dans la cour quand il fait très chaud. Vous verrez que là aussi, les arbres vont jouer un rôle important dans la répartition de ces élèves. J'espère que cela est plus clair. Et donc, je vous dis à bientôt.